Salut tout le monde, on est reparti pour une nouvelle aventure à 20 km de la maison pour respecter le deuxième confinement. Ça chasse, je pense que c'est des chiens de chasseurs que vous entendez. Donc j'espère que vous, ça se passe bien le confinement et que vous arrivez un peu à vous évader dans la nature, dans la verte, c'est le principal. Allez, let's go, on va aller voir pourquoi ça gueule comme ça. Ce spot à bivouac perdu au milieu de nulle part. Donc là on va voir Choupi, si elle est là. Si vous connaissez pas Choupi, vous pouvez retrouver quelques vidéos du printemps dernier. Une belle rencontre, je vous mettrai le lien au pire. Donc on va aller voir si elle va bien, en espérant qu'elle soit là. Donc là on a récupéré une petite route qui est longée par plein d'affûts de chasseurs et j'ai aperçu une maison au fond, donc on va voir. Pourtant c'est une zone chasse gardée, donc ça devrait le faire. Plein de petites touffes de thym, c'est magnifique. AOP s'il vous plaît. Inauguration, le baptême. Le baptême. Ça va? Que t'es beau. On va aller voir les biquettes. Les petites biquettes. Oh, les petites piquettes. Je te reçois 5 sur 5. J'attends que bébé en fait le lâcher. Voilà. On est obligé de traverser une propriété privée en espérant que ce ne soit pas un chasseur. Ouais. Culé, ils l'ont eu. Elle était trop belle, peu chère, petite biquette. C'est vraiment des enculés. C'est vraiment des enculés. J'espère qu'ils vont aller en enfer ceux qui ont fait ça.
chute, la chute, la chute, la chute, la chute, la chute. L'hiver, la nuit tombe vite. On n'a pas le même timing. Une ruine. C'est Noël, les amis. Il y a du houx. Magnifique houx. Joyeux Noël! On est toujours sur le sentier. Un sentier magnifique. Il fait un peu obscur. Le seul bémol, c'est le circuit d'automobile qui résonne sur toute la Seine-Baume. Mais sinon, c'est magnifique. Donc, normalement, on ne devrait pas tarder à arriver au spot. Le soleil tombe. J'espère qu'on arrivera avant la tombée de la nuit. On va voir ça. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Très très humide, mais quand on veut on peut. Heureusement qu'elle est là, Virgil's Got, hein. C'est pas The Woods Runner qui ira chercher du bois, je te le dis moi, hein. Non, je plaisante. Bien joué, trop forte. Donc c'est timide, hein. C'est timide, mais doucement, mais sûrement. Faut souffler ? Non, non. Faut laisser faire le bois. Première étape, il sèche. Deuxième étape, il brûle. Et après, il brûle. C'est comme un immeuble qui brûle. C'est un exemple bizarre, mais c'est ça. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Puis le gros bois autour qui va sécher. Et voilà, un an de souffrance. Non, ça fait déjà un an qu'on se connaît, t'imagines ? Ouais. Quel parcours que tu m'as fait faire. Allez. Je te remercie. Franchement, parcours aussi pareil qu'on s'est fait faire, parce que c'est vrai qu'on a bien rigolé, on a bien crapahuté. Une belle rencontre, je suis content de t'avoir rencontré. Et... une petite bouteille pour ce moment, pour fêter ça. Donc c'est du liège, hein. Il y a des chênes liège dans le coin, donc la pollution, je pense que ce sera bon. Attention mesdames et messieurs, c'est parti. Allez, et en plus elle a pas moussé. Allez, honneur aux femmes. Et voilà notre rencontre. Oui.
Merci Tariq. Au top. Et encore de nombreuses aventures ensemble. Oui, on n'aura pas fini. D'ailleurs, le planning est plein. Voilà. Tenez, mademoiselle. Merci. Votre soupe. Oui. Et merci, parce que grâce à toi, là, maintenant, c'est le premier bivouac hiver. Ouais, on est déjà à moins 0,1, je crois. Enfin, 0, quoi. Voilà. Et il est 19h. Oh merde, l'artichaut il s'est barré. Hop. Qu'est-ce qu'on est bien, Tintin. Hein, Fifi, il est où, Fifi, là? Il est confiné? Alors, j'espère qu'il se déconfine. Ouais, Fifi, il se déconfine. La belle la vie. Ça va, le feu se porte bien. Allez, on va aller chercher du bois. Donc j'ai pu prendre la tête, comme a dit Tata Virginie, tu mets tout dedans. Voilà. Voilà, tu prends pas. Voilà, tu mets tout. Voilà. Lui vient le couvercle, s'il te plaît. Tout de suite. Ah. Ah bah tiens, je reviens un peu. Ah bah regarde, tu veux voir ce qu'on bouffe. Pas beau tout ça? Côté de légumes, mais pas n'importe quel légume, hein. Hein? Magnifique. Pour bien se réchauffer le corps. Hop là. Attention. Olé. Honneur aux dames. Oh là là. Oh là là. Avant la soupe ou après la soupe? Pendant la soupe. Ah et la bouffe, toujours à l'écart et en hauteur, primordial. Au moment où le cerf m'a attaqué, je ne m'attendais pas du tout à cela. Il m'a jeté par terre et m'a frappé au visage avec ses sabots. Cet événement m'a terrorisé parce que je regardais dans le viseur et j'étais convaincue que je filmais les derniers instants de la vie de mon mari. Ce qui m'a le plus effrayé, c'est lorsque j'ai tenté de me défendre. Alors le cerf s'y met à me frapper violemment, en pleine figure. Je commençais à m'essouffler et j'arrivais difficilement à le repousser. Quand le cerf s'est dressé sur ses pattes de derrière comme un ours et s'est mis à s'en prendre à Lynn, j'ai cru que son heure était venue. La bête l'a jeté au sol, puis lui a piétiné le visage et le corps.
comme une pro. Mais je suis quand même contente. Une roulée. Je suis quand même contente. Une roulée à la main, ça allume du feu. Ça y est, hein, plus besoin de moi. Ça y est. Juste avec tu peux t'envoler de tes propres ailes. Juste avec l'allume-feu.